Prédit et on se retrouve pour Nekopara volume 1, la version d'essai hein. Je vois déjà la tête de certains personnages qui se disent oh mon dieu des filles, oh mon dieu. Eh oui, donc Nekopara, un light novel japonais. Eh oui, un light novel, un visual novel. Et bon, pour ceux qui ne sont pas des visual novels, c'est juste une histoire qui est racontée, puis on fait que cliquer en fait. Donc celui-là est assez, comment lire, etchi. Hein, pour ceux qui savent ce que c'est etchi, ils regarderont. Mais comme j'ai pas la version complète, on verra rien en fait. Donc c'est clean. Puisque la version entière coûte 10€. Peut-être qu'un jour, si je suis d'humeur et tout, peut-être, voilà. Donc faire un petit tour dans les configs pour voir. Alors les game settings, ouais, le texte en anglais. Non, le Windows c'est bon. Chest bounciness, ok, full, ça c'est parfait. Volume, ça ira. Voice. Alors, donc ça, c'est les personnages qu'il y aura, mais je suppose qu'il y aura pas tout le monde. Chocolat, vanilla, maple, cinnamon, azuki, coconut, c'est figuré. En fait, c'est une recette de gâteau, c'est ça, non? Donc, à mon avis, on va surtout voir seulement chocolat et vanilla, puisque s'ils sont tous les deux mis en avant, le truc du jeu, sur l'image. Figuré à l'air humaine, donc je pense pas que c'est notre personnage principal, parce que hein, connaissant le japonais, on va avoir un mec, c'est même sûr qu'on va avoir un mec, peut-être sa sœur ou sa copine. Non, je vais pas resetter les settings. Donc on va faire demi-tour, donc voilà, chocolat vanilla. Allez, c'est parti pour ce premier épisode de Nekopara. Sachant que j'allais oublier de vous dire un truc important, c'est pas vraiment un let's play, car il s'agit d'un, comment dire, d'un nouveau concept sur la chaîne. Et en fait, au vu de mon niveau en anglais,
qui est très 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 faible à la puissance 1000. Je vais essayer de traduire au mieux en fait. Donc c'est un concept d'un peu de traduction en vrac. Donc c'est un peu le truc comment faire des vidéos des vidéos sous-titrées anglais quand on est nul en anglais. On va appeler ça trad en vrac. Ce sera bien. Ce sera moins long. Donc allez, je sais pas si ce concept va plaire, je vais essayer de traduire quand même au mieux, histoire que vous compreniez un minimum. De toute façon, c'est la trial version. Puis souvent, c'est pas trop compliqué à traduire, hein. Donc allez, on se lance. Déménageur. Merci beaucoup, on y va. Ah, ça y est, toutes les boîtes sont à l'intérieur. Eh ben, écoutez-moi cette jolie musique. Donc, je vous le redis encore, hein, la traduction sera pas exacte, hein. Je fais par rapport aux images et c'est pas de la, ce sera de la merde, de toute façon, la traduction. Ce sera compréhensible, mais pas la bonne. Comment dit le bien? J'essuyais la sueur sur mon front avec mon bras. Et le camion de déménagement disparaissait au loin. Dans cette belle journée d'avril, au début du printemps, aujourd'hui, le temps était magnifique, il faisait un peu chaud. Ah, je suis prêt pour un nouveau départ. J'ai tourné ma tête pour regarder la façade qui était devant moi. L'extérieur avait un look un peu western avec des motifs blancs et marrons prédominants. Et une large fenêtre, une baie vitrée, qui laissait rentrer la lumière du soleil. Et finalement, ces mots auxquels ces derniers mots reflètent le nom de la pâtisserie La Soleil. Au lieu d'utiliser l'article français le, c'est La Soleil pour représenter le soleil, The Sun. C'est un jeu de mots comme un autre pour un magasin que j'ai mis en non. En souvenir d'une personne que j'admire. C'est un jeu de mots pour le magasin pour quelqu'un que j'admire. Bon, maintenant c'est à moi de faire de mon mieux. C'est ce que je me murmurais moi-même. Alors, je n'ai aucune idée. Peut-être. De dehors. Je me demande comment ça va se passer. Voilà, ouais, un truc dans l'ordre. Je suis prêt à tout recommencer en dépit de mon statut, de mon nom de famille et de tout ce qui s'est passé auparavant. Là, ce concept y promet. Tout ça, j'ai décidé de prendre mes responsabilités et d'y aller. En échange de ma liberté, je ne blâme
personne pour ce qui s'est passé. Mais je suis un peu inquiet. Je n'ai pas eu le temps de dire au revoir avec le sourire. Ouais. Donc, très bien. Il faudrait que je commence à tout déballer et à nettoyer. J'ai pris ma respiration et enfin, un truc avec l'esprit. Ouais, bref. Donc voilà. Je reprends ma respiration et je calme mon esprit. Ouais, bref. Faut que je prépare ma boulangerie, ouais, ma pâtisserie. Ce concept, il promet, franchement, il promet. Je vais m'éclater. Hein? Qu'est-ce que c'est, ces grosses boîtes? Devant moi se trouvaient deux grandes boîtes que je ne reconnaissais pas. Mais en fait, il y en avait deux. Fragile, délicat. À ne pas retourner. Sinon, votre compagnie aura des problèmes. Carrément des menaces ici. Les étiquettes de prévention ne me disaient rien. Ouais, un truc dans le mur. Est-ce que ce serait du matériel de ma pâtisserie? Je me souviens pas avoir acheté ceci. Tant qu'on peut savoir ne pas se souvenir acheter ceci si c'est encore dans le carton. Premièrement, ces boîtes n'avaient pas l'air de venir de chez moi. Et ils n'ont pas l'air d'être pour la pâtisserie, je me souviens pas les avoir achetés. Oh bon, on a compris. Tu les as pas achetés. Peut-être une erreur de la part de la compagnie de déménagement. Mais tous ces étiquettes de prévention. Ouais. Je devrais peut-être regarder pour être sûr. Ce délire. Hein? Allez. Oh, c'est juste un chat? Juste un chat. C'est troublant. Oh, tant mieux, j'ai cru qu'il m'avait repéré. C'était serré. Chocolat doit faire plus attention. Miaou! Mais je rêve! Qu'est-ce que tu fais là, Chocolat? Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, n'est-ce pas, maître? Kojujin Sama. On s'est vu hier avec tous les autres, tu sais. Oui, c'est vrai, mais Chocolat. Oh. Ah, plus important que ça. Écoutez, c'est. Ces déménageurs ne faisaient pas attention.
Ils ont retourné chocolat dans tous les sens. Vraiment. Et pourtant, ils savaient que cette boîte était... Et ils disaient que cette boîte est lourde, qu'il fallait faire attention. Chocolat était bougé soudainement. Ouais non, je sais pas vraiment. À mon avis, c'est les déménageurs, ils ont pris la boîte comme ça, ils ont pas fait attention et elle était secouée dans tous les sens. Chocolat a fait de son mieux pour garder le contrôle de son tempérament, mais Chocolat était énervé, vous savez, absolument énervé. Mais comparé au reste de mes affaires, tu es lourde. Elle ignorait ce que je viens de dire. Chocolat a gonflé ses joues. Ouais, je sais pas, happy good. Elle a l'air happy go lucky. Joyeuse et pleine de chance. Ouais, bref. Elle a l'air préoccupée et se tenait là devant moi. Ouais, voilà comment je décrirais chocolat. Un truc dans le genre. Allez, sors de là. Je ne peux te voir de ici, de là, non, là-dedans, ouais. Ah, achi. Et oui, direct. Ça fait longtemps, maître. Que je suis une femme. Mon nez me chatouillait parce que l'intérieur du camion de ménagement était sale. Pourquoi va il n'y aller ici et aussi ici? Elle se ressemble fort quand même. Mais je parle pas que de la coupe de cheveux. Hein. Ouais. La forme du visage. On pourrait croire à des jumelles en fait. Partout où va Chocolat, j'irai aussi. Ça confirme un peu plus le terme de jumelles, je crois. Parce que les 4 girls. En japonais, ça donnerait quoi? Neko, Neko, ben Neko quelque chose. En général, ce serait Neko Ningen, mais comme là c'est des filles, je sais pas comment le dire en japonais. Attends, si je vais faire répéter. Ah, j'arrive pas à déterminer avec son accent, mais elle dit Neko di. Neko Asenai, un truc dans le genre. Bref. On s'en fout, je vais pas vous faire des cours de japonais non plus. C'est déjà mieux que l'anglais. En gros, elle dit la même chose que Chocolat, quoi. Vous savez, en gros, les déménageurs, ils ont dit, ah, la boîte est lourde, faut faire attention avec. C'est ce qu'ils ont dit envers moi, machin, ouais. Oh, bon, si c'est pour qu'elle dise la même chose. Ben voilà, aussi. Bref, Chocolat Vanilla, sortez de là.
sortie immédiatement de la boîte, des larges boîtes, ouais, un truc dans le genre. Ouais, enfin, chocolat et vanilla sont sortis des boîtes, quoi. Bref, vous avez compris. Je crois que je vais me faire charrier dans les commentaires. Pourquoi ça ne répond pas au téléphone? Mais qu'est-ce que fait Shigure? Non, je vous l'avais dit, Shigure, ça doit être sa sœur. S'il appelle. Ah, je suis devant. J'ai tenté d'appeler ma petite sœur. Pour lui dire que chocolat et vanille s'étaient mixés au reste de mes boîtes en premier lieu. De l'extérieur, les Cat Girls ont l'air humaines. Mais on peut comprendre les mots et parler avec elles, avec eux. Mais plus qu'humains, les Cat Girls ressemblent à des. Enfin, se comportent comme des chats normaux. Après tout, les Cat Girls ont exactement les mêmes queues et mêmes oreilles que les chats. Ça, j'ai remarqué. Ce sont des humains génétiquement modifiés. Punaise. Ah ouais, génétiquement modifiés. C'est même pas une race qui est apparue comme ça. Si un scientifique a faire pareil, j'aimerais bien voir une petite Cat Girls, moi, avec moi. Ressaisis-toi, bordel. Bref, tout le monde les appelle Cat Girls. Aujourd'hui, les Cat Girls sont parfaitement intégrées à la société en tant qu'animaux de compagnie ou partenaires pour les humains. Exactement ce que je viens de dire. Oh là là. Enfin, animaux de compagnie, ça fait un peu. Animaux de compagnie. Moi, je verais plutôt ça comme des petites sœurs ou quoi, mais bon. Animaux de compagnie. Pff, écoute, ils font ce qu'ils veulent. Ma petite sœur adore vraiment les Cat Girls. Non, sans blague. Vu l'image des débuts de jeu, on s'en doute. Notre famille en compte 6, incluant chocolat et vanille. Ouais. Il faut que je les renvoie à la maison. Non, dans tous les cas, il faut que je les renvoie chez elle, ouais, un truc dans le genre. Là, je comprends pas ce qu'il veut dire. Il parle que Shigure voulait absolument les avoir et que ses parents les ont aidés à les élever, tout machin, tout dans le genre. Je me demande vraiment ce que peut faire Shigure. Je vois. Shigure pourrait être leur complice. Ouais, Ah, d'accord, il disait que Shigure l'a peut-être les a peut-être. Ah non, il se demandait. Ah, d'accord, j'ai mal traduit. Il se demandait comment ils étaient arrivés là. Et si Shigure n'avait pas un truc à voir. C'était une jolie maison. Chocolat adore l'odeur des nouveaux meubles et tout, machin, ouais. Comme un choc, quoi. Ça a l'air grand. Parfait pour les habiletés de maître. J'ai envie de savoir de quelle habilité elle parle. Vania, viens ici, on va explorer cette pièce.
C'est le temps d'explorer. Pardon. Venir, viens ici, on va aller regarder cette pièce. C'est le temps d'explorer. Je viens avec toi, j'aimerais inspecter le lit. La chambre. Le nouveau lit de maître doit être confortable, à mon avis, ce qu'elle veut dire. Je ne veux pas arrêter. Je ne veux pas arrêter ça. Allons-nous. Ah, j'ai oublié la traduction, mais c'est. Ce beau. Non, bat. Comment on dit? C'est pas batifolé, c'est. Se blotter. En gros, ils vont se rouler en boule dans le lit, quoi. C'est le moment de faire des roulades et tout dans le lit. Ouais, donc l'heure de machin, c'est ok pour moi. C'est décidé. Allons-y. Faites attention à ce que vous faites, ne vous faites pas mal. Aïe. Aïe. Double aïe. Avec toutes leurs intentions, ces deux cat girls vont se balader partout à courir et tout bordel. La pâtisserie a des quartiers d'habitation, ouais, donc une chambre pièce à vivre quoi. Au second étage. Pendant tous les magasins, j'ai envie de dire. Je m'inquiète pour les problèmes qu'elle pourrait causer. Putain, aucune confiance, quoi. Bien sûr, ce n'est pas des jeunes cat girls qui. Je n'ai pas besoin de m'inquiéter qu'elle perde de contrôle ou enfin de. Ouais, je vois à peu près ce que tu veux dire, en gros. Ouais. Ils espèrent qu'ils vont pas faire de bêtises, mais ils s'inquiètent pas trop pour elles, ici, comment elles sont, quoi. C'est un peu contradictoire, en fait. Bref. J'ai regardé. L'adresse sur mon télé. Sur mon télé. Mon adresse téléphonique. Le bouquin d'adresse téléphonique, ou en gros un répertoire. Mina Duki Résidence. Ouais, j'ai déjà laissé un message figuré. J'espère qu'elle me rappellera plus tard. En pressant le bouton d'appel, j'ai rangé mon téléphone dans ma poche. Et je suis parti faire ce que je devais faire. Il est temps pour moi de commencer la journée. Oh, je sais pas. En gros, il est en train de dire que il doit aller commencer sans doute à se préparer et tout pour l'ouverture. J'aimerais entendre ce que Shigure a à dire. Nous avons fini de nous blottir dans le. Voilà, blottir. De nous blottir dans le lit de maître. Boing, boing, boing. Le nouveau lit est vraiment doux. On a passé un bon moment, enfin. Il. Non, il. Ouais, en gros, elle parle de score, quoi. Il a un bon score. Bon travail, vous deux. What? Alors, je sais pas du tout ce qu'il veut dire. Ah. En gros, il leur caresse la tête. Il caresse la tête.
Ah oui. Il est caresse la tête pour les pour faire un gentil minou. Enfin, gentil minou. C'est clair qu'ils ont des jolis minois, mais bon. Je suis de mots pourris. Chocolat aime quand le maître me caresse la tête. Ça fait du bien. Je n'ai aucune objection non plus. Encore. J'ai caressé leurs cheveux, machin, voilà. C'est doux et ça sent bon, enfin, non. Oh, leurs cheveux sont toujours aussi doux et soyeux. Quand je leur caresse la tête, ils ferment les yeux. Bon, maintenant, qu'est-ce que vous faisiez caché dans les boîtes de déménagement? Vous savez, vous êtes parti sans nous dire, dire au revoir, nous n'avions pas le choix. C'est un truc comme ça, en gros. D'accord. En gros, je crois que le mec, il est parti en doute de sa famille, donc il a prévenu personne, en fait. D'accord. Comme ça, du lendemain, j'ouvrais ma pâtisserie comme ça, sans prévenir personne. Oh, le mec. Chocolat a voulu qu'on y aille, donc j'y suis allé aussi. Elle la suit vraiment partout. Vous n'aviez pas le choix? Et tu l'as juste suivi, vous deux. C'est des raisons. Enfin. En gros, il dit que c'est des raisons un peu pitoyables, quoi. Mais. Je reconnais moi-même que j'aurais pas dû. Ouais, en gros. Regarder ces deux-là encore. Ouais. Je vois le genre en fait. Ce concept, ce concept, ce concept, mais qu'est-ce qui m'est passé par la tête? Écoutez-moi, ok? Pour l'instant, vous restez ici, vous deux. C'est ni des vacances ou un pique-nique. Ah non. En gros, il est en train d'expliquer pourquoi il est parti. Non, je déménageais parce que je n'avais aucune intention de revenir. D'accord, le mec comme ça, tranquille. Vous devez rentrer. Vous savez, à la maison, ils doivent s'inquiéter pour vous. Shigure et les autres quatre girls aussi. En gros, si je comprends bien, les quatre autres. Il ne faut pas penser qu'à vous. Un truc dans le genre, je crois. Excusez-moi pour eux. Ce n'est pas ce que. Ce n'est pas ça. C'est pas ce que tu crois. L'estomac de chocolat est juste trop belle. Ce n'est pas vraiment. Maître a déménagé tôt le matin, alors on n'a pas eu le temps de déjeuner. Mais le son. Le son du gargouillis de l'estomac de chocolat est tout à fait mignon. Kawaii. Après avoir écouté leurs excuses, j'ai regardé l'horloge et j'ai vu qu'il était déjà passé une heure. Mais ces deux-là n'ont pas mangé depuis ce matin. Bon, que dites-vous de déjeuner d'abord? Enfin, de manger d'abord. Oui, bouffe, chocolat de maître. Je comprends toujours, maître. Je suis d'accord. Ouais, bref. En gros, la meuf super sérieuse et la meuf trop joyeuse, quoi. Ces deux-là sont faciles à comprendre.
Et voilà. Ce sera la fin de ce premier épisode. I'm getting fired up now. Muses, must be. Bon, j'ai traduire, c'était de la merde. Donc voilà. La suite, ce sera pour plus tard. Voilà. Shopping. Shopping. Allez. Ciao. Et à la prochaine pour l'épisode 2 de Nekoporov volume 1 Trial Version.